Salutations les lémures, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica pour la suite de notre let's play tant adoré. Et donc alors j'ai fait quelques petits aménagements dans cette pièce qui me sert un petit peu ma station de modification et compagnie, donc un peu de labo. Alors, déjà je me suis installé une sortie ici, de ce côté. Comme ça si jamais en plus j'ai besoin de champignons, j'en ai juste en face, ça m'évite de courir. Je me suis installé ça, je voulais savoir à quoi justement ça pouvait servir dans un des épisodes précédents. J'ai réinstallé une autre armoire aussi qui pour le moment est vide. Voilà, je me suis fait quelques petits mailles de fibre et du caoutchouc en silicone. Hein. D'ailleurs, j'ai encore du. Y a pas moyen, s'il te plaît, là, de me laisser faire du caoutchouc là. Non, là, c'est de la vigne qu'il faut. Et là, ouais, il m'en faut deux, donc j'en ai qu'un. Ok, je comprends pourquoi je suis puni. Alors, j'ai installé la petite table. Et j'avais tout ce bazar qui me servait à rien pour le moment. Donc, celui-là, je vais le mettre en deux. Donc, celui-là. Non, celui-là, je vais le mettre en un. Celui-là en deux. Celui-là en deux. Celui-là en trois. Et celui-là en quatre. Ok. Alors, je sais pas si j'aurai la place de tout poser, mais vous voyez, on peut poser des items dessus. Donc, si j'y arrive et qu'on me laisse le faire, je vais poser celui-là ici. Non, je peux pas le mettre. Ok, je peux pas, on va essayer un autre alors. Il est passé où mon item? Il est là. Je peux pas les poser, pourtant ça part en vert. Là j'ai même un. Non, je suis en train juste de faire tourner celui-là, là. Le quatrième, s'il vous plaît. Aïe, est-ce qu'il m'en faudrait pas 6 pour le poser? Non, voilà, ok. Ok, alors là, je le reprends. Alors, je vais mettre celui-là. Dans ce sens-là, en fait, il faut faire un clic droit. Voilà. Je vais mettre ça à côté ici. Celui-là. Au pire, je vais essayer de le caler le plus près possible. Et au pire des cas, le deuxième. En attendant, je vais le poser dans ce sens-là. Voilà. Par contre, c'est non fonctionnel. Alors, ça, déjà, ça me prend moins de place dans mes stockages. Alors, par contre, je sais pas du tout. Ah, peut-être qu'il faut les réparer. Hein. Je vais aller chercher mon outil pour de réparation pour voir. Déjà, j'arrive à les poser. Ce qui égaye un peu la pièce. Est-ce que l'outil de réparation je l'ai sur moi? Non. Serait-il ici? Non. Il doit être dans l'armoire là-bas au fond. J'ai commencé un peu à ranger ma base aussi. Ah ouais, j'ai mis tout ça ici. Alors ça, je vais l'embarquer avec moi. Et je vais le prendre d'ailleurs. Et je vais voir s'il faut pas que je répare. Non, il n'y a pas. Hein, je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour que ce soit fonctionnel. Ah, je veux pas les ramasser. Ah, je sais pas du tout comment faut faire pour que ce soit fonctionnel. Alors pour le moment, je vais laisser là. Hein, comme ça, c'est un peu, ça agrémente un peu la pièce. Et puis je verrai comment
Comment faire pour les mettre en état de marche, enfin du moins si on peut. Ça par contre on peut pas l'utiliser, hein. Il peut y avoir des trucs, des portes, voilà, on peut pas, faut vraiment utiliser les armoires. Par contre bah là voilà, j'étais tout content, je me suis dit ouais peut-être que c'est comme ça que je vais pouvoir faire mon aérogel, mais en fait même pas. Bah écoutez, tant pis, en attendant on va quand même aller faire un petit tour dehors, je vais vous montrer un petit peu notre jardin aquatique, comment ça a bien changé. D'ailleurs j'aimerais bien reprendre 102, 101, 103, ça au pire je vais te mettre en 4 pour le moment. Oui, comment ça a poussé. Et j'en ai replanté. Alors j'en ai dégagé. J'en ai coupé une de vigne. Alors faut mettre pas mal de coups dedans avant que ça dépote. Hein. Si c'est, il y en a que deux, mais je crois que normalement on arrive bien à comment dire à 8 coups dedans, un truc comme ça, ouais. Donc ça, je vais le déplacer pour que ça pousse. Ce qui est marrant, c'est que j'en ai un qui est en forme d'huile de sang, et les autres sont mis en tant que vigne. Alors d'ailleurs, je vais en rechoper quelques-unes. Alors je me demande si pour que justement sur les vignes tout court, on va faire ça comme ça. Je pense que pour les vignes tout court, il faut choper ceci. Alors je vais en faire pousser un pour le test. Je pense qu'il faut mettre ça là, comme ça. Parce que si je regarde les autres, on peut voir que là, effectivement, il y a le symbole, mais sur les trois autres, non. Et pourtant, j'ai que celui-là qui me fait pousser. Qui me fait pousser des vignes. Enfin, du moins les graines de vignes. Ah bon, en même temps c'est déjà ça. Au pire je couperai, je verrai, mais j'aimerais bien que ce soit assez équilibré. Donc déjà là pour ça on est plutôt peinard. Je vais en récolter d'ailleurs, tant qu'on y est. Et puis je vais aller m'en mettre un petit peu. Ouais, je peux plus en prendre. J'ai aussi une autre plante, alors, je sais pas si je l'ai encore sur moi, qu'on peut exploiter. Alors je vais la faire pousser là. Puis on va voir la tête qu'elle a. Ah, je peux pas la mettre. Elle contient des enzymes fongiques. Pourtant ils disent que elle est exploitable. Alors peut-être que j'ai. Regardez toutes les dents. Ah, j'ai dû me tromper, hein. Je vais me dire ma. Ouais, absorption d'eau. Je sais pas où j'ai vu ça, il y a un truc comme quoi. Alors, déjà, ça, faudrait que je trouve champignons des arbres. Ils disent que c'est exploitable, je sais pas du tout à quoi ça correspond, si c'est dans le corail. Donc, à mon avis, voilà. Donc, faut que je trouve champignons à arbres, à quoi ça ressemble exactement. Ça, c'est pour l'oxygène. Ça permet de faire les circuits intégrés. Ça, c'est exploitable, mais je sais pas exactement ce que c'est. Je sais plus si c'était dans. Je crois que c'était dans la flore, hein. Dans la mer. Bah, ils disent que ça, enzyme fongique exploitable. Alors, pour moi, ça doit être ce que j'ai. Voilà. Échantillon fongique. Mais je sais pas du tout comment on peut l'exploiter. Et je pensais que ça pousserait. Mais en fait non. Puis en plus si c'est effectivement ouais, une sangsue, c'est un organisme. Donc je sais pas si c'est ça ou pas. C'est la question que je me posais. Alors, je pensais que je pourrais faire pousser ouais, une sangsue végétale. Alors pour moi c'est. Voilà, en plus on est dans la mer et tout. Voilà, j'ai que des herbes et des orties. Donc c'est assez exploitable. Alors peut-être que ce genre de truc doit se faire
élevé entre guillemets dans deux choses potentielles. Soit dans une unité de confinement pour alien, ou soit je peux peut-être essayer de la foutre dans mon aquarium. Alors je vais voir si ça passe dans l'aquarium. Non, non, je vais pas remonter, je vais passer ici, ça ira plus vite. Voilà, comme ça je reprends un coup d'air. Moi je vais vite essayer d'aller voir mon aquarium. Alors je sais pas du tout si je vais pouvoir mettre ça dedans. Ça se trouve certainement pas. Hein. Ouais non ça va. Je peux pas le déplacer non plus. Alors franchement je vois pas comment je peux m'en servir. Je l'ai. Mais je vois pas comment l'exploiter. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais re-ranger ça ici. Il faudrait que j'essaie d'en savoir un peu plus. Concernant l'aérogel, j'ai pas de news. Hein. J'ai pas. Je suis pas retourné à l'extérieur pour chercher. On va aller se faire quelques petits. On va se faire du benzène là. Ouais, on va aller boire un coup après. Je vais d'abord faire ça. Voilà. Je vais me faire une petite fibre aussi. Comme ça c'est fait. Alors après, comme ça là, je peux en refaire un deuxième. Comme ça j'en aurai d'avance. Je vais le stocker ici. Voilà. Alors celle-là je vais me la laisser ici. Quoique je vais aller la faire pousser. Par contre celle-là je vais la mettre là. Parce que j'en ai assez dehors. Donc voilà, bah écoutez, petite vidéo plutôt courte. Sinon on peut essayer d'aller trouver le champignon arbre là. D'ailleurs je vais aller d'abord boire un coup. Alors ça pousse bien, mais j'aimerais bien avoir avec les... Ah oui ! Non, c'est pas tout. J'ai trouvé, en lisant un peu, un truc de... Ah, il y a un champignon qui pousse là-bas. Je sais pas si je l'ai celui-là. Ok. Je vais pas me prendre le chou, je vais faire ça comme ça. Là, je serai sûrement moins fatigué. Donc je vais faire un petit saut. Je vais me prendre deux fruits. Je vais me prendre un melon. Je vais prendre ça aussi là. Vital signs stabilizing. Voilà. Là, je vais taper un melon. Je vais en remettre deux à pousser ici. Là, je vais en prendre un. Et je vais en refaire pousser encore deux là. Je pense que là on est bien, je vais me taper une petite patate aussi. Je vais m'en prendre quelques fruits là. Voilà, ça ira très bien comme ça. Je vais aller voir le champignon là qui brille. Non mais il y a bien un champignon qui brille. Qui brille au-dessus de l'eau là. Déjà toi. Non c'est pas le chien. Ils sont sérieux, mais on finit un champi. Il est passé où? Il se moque de moi ou quoi? On sait pas celui-là, mais je vais le prendre. L'autre il est passé là. Voilà enfin. Ouais, ça c'est des champignons acides. Ça, c'est du tube à corail. On était d'accord que ça poussait bien dans l'eau là.
Champignons, ouais, corail, c'est du corail. L'analyse de ces grandes structures. Ah, ça, je sais pas si c'est le truc où j'ai chopé au vu des vers. Mais il me semblait avoir tapé dessus. Et il n'y a rien qui se passait. Je pense que c'est là où on avait trouvé la base abandonnée et où on avait récupéré le lit double. Par contre, ce que j'aimerais bien récupérer là, c'est pas des poissons. J'aimerais bien trouver un gros poisson qui crache des boules acides là-bas. Enfin, je sais pas pourquoi ils m'ont foutu mon poisson en raccourci. Bon, écoutez, tant pis. On va essayer d'aller le voir. Et a priori, on peut. J'ai lu une note sur lui. On peut récupérer les boules de gaz avant qu'elles pètent. Donc, on va essayer de faire ça. Malheureusement, je me suis tapé toutes les autres. J'espère que je vais pas mourir. J'ai pas forcément de soins sur moi. Ok, je récupère de la vie là. Donc ouais, c'est un peu la mission quoi. Je pense que c'est pour justement les torpilles, serait bien qu'il en éjecte. Alors je sais pas si on peut lui choper directement sur le cul là. Ouais, c'est un peu chaud les marrons suisses quoi. Hein. À moins que je le piste au gel. Peut-être que si je les piste au gel, j'aurai plus de chances de les récupérer. Donc déjà là, j'en ai quelques-unes. Je pourrais m'éclater à faire des torpilles avec. Voilà, qu'on essaiera d'utiliser plus tard. Donc voilà, attention, alimentation d'urgence. Restauré, ok. Manquait peut-être d'énergie, mais ah ouais, faut que je, de toute façon, je me fasse la le réacteur. Alors là, oui, là, ça risque de pousser. Voilà. Vu que j'avais mis les graines, je pense que je vais devoir m'en couper quelques-unes comme ça. Là. Je sais même pas si là, je vais avoir la place. Je prends pas encore un morceau. Voilà. Au pire, je viendrai de finir de la couper et je m'en ferai pousser une comme l'autre. Sur ce, voilà pour les petits bulbes. Là, on est tranquille. Là, les vignes sanguines. Et pour le reste aussi. Donc, il me reste plus qu'à trouver l'arbre à champignons. Je sais pas du tout ce que c'est, comment je suis tombé dessus. Puis, il nous manque toujours l'aérogel. Hein. J'ai toujours pas trouvé. J'espère que ça va pas tarder. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit pouce bleu et ou un commentaire. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.